Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le lundi matin, une rue de Bat Fortune, Mazal Fritner, Rebet Mazal Tov, Lucien Batrina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Maseret Gitin, Perek Dalet, Mishnah Tet. Amocheret Atzmo ve'et Banav la Goy, en Podin Oto. Aval Podin et Abanim la'achar mitat avien. Amocher Sadeu la Goy, ve'chazar ou le Kacha mimenu Israël. Alors, Kach, Mevi, Mimenu, Bikurim, et Mipene, Tikkun HaOlam. Deux sujets dans notre Mishnah, et on conclut les takanot, les différentes takanot de Tikkun HaOlam. Premier sujet, c'est Amocher et Tatsmo, Ved Banav, Legoy. Un homme qui se vend, lui, et qui vend même ses enfants en esclave chez un goy, quelqu'un qui a très besoin d'argent, il est criblé de dettes, il se vend lui-même à un goy, et pire que ça, il vend même ses enfants à un goy, même si c'est un peu intéressant, parce que du point de vue de la Torah, on a, ça n'existe pas. Le père, il a un droit de vendre sa fille, mais pas un droit de vendre sa fille, de vendre son fils. Aval, malgré tout, peut-être que concrètement, on parle qu'il l'a fait, comme c'est fréquent dans la vie, on parle de situations pareilles. Les gens, quand quelqu'un me devait de l'argent, je partais, je prenais ses enfants en gage. Et il me servait pour me faire payer ma dette. Donc apparemment, j'imagine que c'était, même si d'un point de vue à l'Afrique, le Kinyan ne fonctionne pas, malgré tout, concrètement, c'est ce qu'il a fait. Et là, maintenant, on a un vrai problème. On a maintenant Yaakov et ses deux enfants, Loewen et Shimon, qui sont en train de travailler chez un goy. Et bien évidemment, ils ne vont pas réussir à pratiquer leur mitzvot comme il fallait, et ça nous embête beaucoup. Le goy va sûrement les influencer dans toutes sortes de mauvaises conduites. Donc en théorie, il y aurait une grande mitzvah d'aller les sauver. D'aller vite, vite, d'aller prendre de l'argent et de les libérer. Et ben non. La Mishnah m'enseigne « En podin oto », on ne rachète personne. Mais malgré tout, « Aval podin et abanim la'achar mitat avien » lorsque leur père mourra, si les enfants ils sont encore esclaves, alors on ira racheter quand même les enfants. La raison elle est très simple, d'abord on parle de quelqu'un qui n'a pas vendu pour une seule fois, on parle qu'il a vendu, il a, tel que c'est écrit même, « Machar shana veshilesh », on est déjà à la troisième fois qu'il a revendu lui-même et ses enfants. On l'a déjà gracié une fois, on est parti, on l'a racheté. Il a de nouveau repris des dettes, il s'est revendu lui-même. Et après, la troisième fois, il a déjà trouvé la solution facile pour que ses frères juifs, ils ont plein de rachamim, ils vont le racheter. Donc du coup, ils vendent ses enfants à un goy. Et bien c'est fini, après la troisième fois, on ne va plus le racheter. Jusqu'à la mort du père. Lorsque le père, maintenant, va mourir, alors là, on pourra aller racheter les enfants parce qu'on n'a plus de crainte que le père il va les revendre puisqu'il n'est plus là. Et les enfants, je pense pas qu'ils vont aller se revendre eux-mêmes. Donc du coup, on pourra les racheter. D'accord? Fin du premier sujet. Deuxième sujet, il y a un problème de lecture de la Mishnah. Tel que c'est écrit devant ma Mishnah, ça est écrit comme ça. Amocher Sadeu la Goy vechazar ou le Kacha imimenu Israël. Je traduis d'abord la phrase, après je la corrige. Amocher Sadeu la Goy, celui qui vend son Sadeh à un Goy. Et ensuite, vechazar ve la Kacha imimenu Israël. Et après, un juif est parti racheter ce champ. Alors, Alokeach mevi meno bikurim. Celui qui a racheté le champ, il devra apporter des bikurim. Bon, si c'est ça, c'est une halakha qui est un peu sans grand intérêt. Et concrètement, la Gemara, elle n'explique pas comme ça. Et en fait, il faut lire comme ça. Amocher, ça s'est rapporté ici dans les Shinoye Nosraot. Je vous dis la Girsa de Rashi et de Rabbeinu Tam. Amocher, ça de la Goy, Israël, Lokeach ou Mevi Meno Bikurim. On parle en fait que moi, j'avais un champ en Israël. Je l'ai vendu à un Goy. Maintenant, mon champ il est dans les mains du goy. Alors, la Mishnah m'enseigne, eh ben, j'ai l'obligation d'aller racheter tous les ans les bikurim pour aller apporter les bikurim au Bet Amigdash. Et ça, c'est Mipenei Tikkun HaOlam pour le bon fonctionnement du monde. Et j'explique un petit peu de quoi ça parle. Il faut plus expliquer, il y a presque rien écrit dans la Mishnah en fait, quoi. C'est la Gemara qui explique ça longuement. Pour ne pas. D'abord, le Bartonra, il explique ça de manière très simple. Il explique comme ça que. On a un grand intérêt que les terres d'Israël restent aux Juifs et ne soient pas vendues aux Goïm. Maintenant, business is business. Le Goï, il me propose beaucoup d'argent pour vendre mon champ. Alors, je lui ai vendu. Chachamim ont instauré un décret qui va me casser les pieds, qui va être vraiment désagréable. Comme ça, les gens ils vont éviter de vendre un Goï, ils vont réfléchir à 10 fois. Et qu'est-ce que je dois faire? Tous les ans, je vais devoir partir racheter les perrotes des bikurim pour les prendre et les amener à Yerushalayim. C'est une machloket dans la Gemara. Est-ce que, Bichlal, est-ce que ces fruits sont imposés de bikurim? Est-ce que Yeshkinyan la goy beret Israël lafkiyat amitzvot ou pas? Est-ce que le goy, quand il achète une terre en Israël, est-ce qu'il devient propriétaire du champ au point de dispenser de toutes les mitzvot ou les mitzvot elles sont encore imposées?
Peu importe si c'est Midoraita ou si, ou même si c'est que Midorabanan, Chachamim ont instauré que j'ai l'obligation, que le vendeur, il a l'obligation de partir tous les ans, de racheter les bikurim. Comme ça, constamment, il va dire, bon, il faut que je rachète ce champ, c'est plus possible, je vais pas laisser. Ils ont voulu le déranger, et ça, c'est Mipne Tikkun HaOlam, de manière à ce que les, à ce que ce qu'on va pas, ce que les terres d'Israël vont rester aux Juifs. Ok? Le Rambam, il complique un petit peu l'histoire, et en fait, il, pour expliquer le Tikkun HaOlam, il explique en fait ça s'est passé comme ça. Dans un premier temps, Chachamim ont instauré que, que le propriétaire devrait racheter les pierrotes pour les amener, comme c'est précisé. Il y a eu après une deuxième période, c'est que le goy, du coup, il a trouvé, il a commencé à faire des plus-values sur les fruits, parce que c'est les fruits des Bikurim, les Juifs, ils aiment les fruits. C'est comme les Arabes du Maroc qui vendent les Togim, ils ont compris que c'est un super business, c'est les Juifs. Donc du coup, ils ont augmenté les fruits. Donc Rami m'ont ensuite instauré que, bah, tu sais quoi, ne rachète pas les fruits. Et du coup, les goy, il avait plus d'intérêt avec les Bikurim, il a rebaissé les prix. Et du coup, ça a provoqué que les Juifs, ils se sont remis à revendre leurs champs. Donc du coup, après coup, on a réinstauré qu'on devra racheter les fruits coûte que coûte et rapporter les bikurim de ça. Donc en deux mots, on se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui. J'ai vendu mon champ à un goy, j'ai l'obligation d'aller racheter les pérotes pour les apporter en bikurim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov V'Salam. J'ai réussi. Bonne journée, Chana.